Il doit d'abord trouver la feuille idéale. Puis il en ronge la nervure centrale à l'aide de ses petites dents tranchantes. Ce travail lui prend toute la nuit. Il termine juste à temps. Grâce à ses talents de bâtisseur de tentes, il reste au sec, entouré de son harem. Ce véritable artisan a transformé une feuille en un abri cireux et étanche. Équipé, raffinement suprême, de minuscules trous pour les griffes. La nervure centrale de la feuille ayant été rongée, ses côtés se sont affaissés pour former une tente. La cachette idéale. Mais ce pelage blanc n'est-il pas gênant pour une chauve-souris qui aime vivre cachée? Non, car à mesure que le soleil s'élève et se fraye un chemin à travers la canopée, l'animal change de couleur. Par un ingénieux jeu de lumière, en effet, le reflet vert de la feuille cache un peu plus encore ses occupants.